Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va essayer ensemble de corriger les exercices à propos de la leçon de langue, l'énumération. Rappel, l'énumération, c'est le fait de dénombrer des éléments, hein, des mots ou bien des groupes de mots appartenant à la même classe grammaticale. Ça veut dire comme on fait pour les chiffres 1, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Ça veut dire on énumère des éléments, hein, qui doivent appartenir à la même classe grammaticale, soit des noms, des verbes, des adjectifs et ainsi de suite. Et cette énumération-là a un objectif, c'est de créer une impression, comme on a vu dans le cours. On a énuméré des éléments, hein, pour créer l'impression, hein, impression de désespoir des deux personnages. Donc les deux des personnages étaient désespérés après la perte de la rivière de diamants. Alors maintenant, on passe à la correction de l'exercice. Je dis la consigne. J'évite la répétition dans les phrases suivantes en utilisant une énumération. Donc, on va essayer de travailler sur les phrases et on va essayer de d'éviter la répétition. Alors, phrase A, il écrivit une ligne, il écrivit un texte, il écrivit deux pages, il écrivit au total un chapitre. Alors, après la lecture, vous remarquez très bien qu'on a répété plusieurs fois le verbe écrire, hein. Le verbe écrire, conjugué ici au passé simple, hein, trois fois, pardon, on a répété le verbe écrire trois fois. Donc, on va essayer d'éviter la répétition de ce verbe. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, il écrivit une ligne, virgule, un texte, virgule, deux pages et. Et au total, un chapitre. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les premiers éléments, hein? On les relie avec des virgules. Ça veut dire qu'ils doivent être juxtaposés. Mais juste avant le dernier élément énuméré, on doit mettre la conjonction de coordination et. Et on obtient la phrase suivante. Donc, je relis. Il écrivit une ligne, virgule. Un texte, virgule, deux pages et donc conjonction de coordination juste avant la fin du dernier mot et au total un chapitre. C'est bon? Donc je passe la deuxième phrase, je lis. Donc je visitais le centre-ville, je visitais le Parlement, je visitais la tour Hassan. Je visitais le quartier Riyad. Enfin, je visitais Tour Abra. Alors, ce que vous remarquez ici, il y a, hein, la répétition d'un verbe aussi. Hein, c'est le verbe visiter ici, conjugué à l'imparfait. Alors, on a répété quatre fois le verbe visiter. Donc, on va essayer d'éviter la répétition de ce verbe-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, je visitais le centre-ville, virgule, hein, le Parlement, virgule, la tour Hassan, virgule, le quartier Riyad, et enfin, tour Rabat. Alors, et on obtient la phrase suivante. Alors, je relis la phrase. Je visitais le centre-ville, le virgule, le Parlement, virgule, la tour Hassan, virgule, le quartier Riyad et enfin tout Rabat. Donc, comme vous remarquez ici, on a énuméré des groupes de mots. Hein, le Parlement, la tour Hassan, le quartier Riyad, hein, et tout Rabat. On a énuméré des groupes de mots. C'est bon. Alors, je passe la dernière phrase. Il cueillit une pomme. Il lava la pomme. Il éplucha la pomme. Enfin, il mangea la pomme. Alors, comme vous remarquez ici,
Alors, il y a la répétition de la pomme. Hein? Il y a la répétition de la pomme. Alors, quelle est la fonction de la pomme ici? Donc, c'est un. Il cueillit quoi? C'est un COD, non? C'est un COD. On pose la question. Hein? Il cueillit quoi? Hein? Il cueillit une pomme. Il lava la pomme. Quelle est la fonction de la pomme aussi ici? C'est toujours un COD parce qu'on pose la question. Il lava quoi? Il éplucha la pomme. Toujours un COD. Il éplucha quoi? Il mangea la pomme. Donc toujours, donc le mot répété, c'est la pomme. On va essayer d'éviter la répétition de ce mot-là. Donc, et puisque ce mot-là a pour fonction un COD, donc on va essayer de le remplacer par un pronom qui remplace un COD. Alors, puisque ici on a un nom féminin singulier, donc on doit le remplacer avec le pronom la. Et on obtient la phrase. Il cueillit une pomme. Il la lava. Il l'éplucha. Enfin, il la mangea. Et j'obtiens la phrase suivante. Donc, il cueillit la pomme, la lava, l'éplucha. Normalement, ici, je remplace le COD avec la, mais puisqu'il est suivi d'une voyelle, donc je remplace la voyelle ou bien la voyelle A par l'apostrophe. L'éplucha. Et enfin, alors comme vous remarquez toujours, il faut mettre la conjonction de coordination juste avant le dernier mot énuméré. Hein? Et enfin, la mangea. Hein? C'est bon. Alors comme vous remarquez ici, on a énuméré des verbes. Hein? On a énumération des verbes. Lava la pomme, éplucha la pomme et mangea la pomme. Alors, c'est la fin de notre séance. Merci pour votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah.